suis Olivier Aumont, je suis chercheur au LPO, donc au laboratoire de physique des océans qui fait partie de l'IUEM à Brest. D'accord. Enfin, plus précisément à plus d'années au Technopole. Très bien, d'accord. Qu'est-ce que vous êtes venu nous présenter ici au village des Donc moi je suis venu présenter en fait la modélisation. La modélisation sous deux aspects, donc la modélisation physique, ouais. Donc de dynamique des océans, et la modélisation biogéochimique, qui est plutôt mon domaine. Donc la modélisation biogéochimique, c'est quoi? C'est la modélisation des cycles géochimiques, comme par exemple le cycle du carbone, ça parle à tout le monde, ça je pense. Ouais, tout à fait. Et ça, on s'en sert aussi pour l'étude des ressources en mer, donc les poissons par exemple. D'accord. Puisque dans la modélisation biogéochimique, on représente le début de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire le phytoplancton.